d'avoir des systèmes qui soient accessibles au monde agricole sur des projets et on puisse réussir à dégager de la rentabilité pour nos clients. La Commission européenne commence à regarder tout ce qu'ont été les aides avec les tarifs de rachat, considérant qu'une partie de ces tarifs de rachat revalorisés pour les énergies renouvelables pourrait s'apparenter à des aides d'État. Sur l'agriculture, je le dis quand même, la méthanisation est en train de prendre, après le plan EMMA, est en train de prendre son envol. On est passé de 90 méthaniseurs en 2012 à 140 aujourd'hui, et il y a à peu près 150 projets qui sont dans les cartons pour 2014. Donc on est vraiment dans la phase avec l'objectif de finir autour de 1000 méthaniseurs d'ici 2020. C'est un enjeu écologique, énergétique, et ça s'inscrit aussi dans un objectif d'utilisation de la matière organique et du traitement des questions d'azote, en particulier pour la Bretagne, c'est très important. C'est un enjeu qui, pour nous, après les choix qu'on a faits, correspond à ce qui est la ligne directrice du ministère de l'Agriculture, la performance économique avec la performance écologique. Moi, je ne dissocie plus les deux. Et j'ai été visiter ce matin l'Institut technique sur les algues. Là, c'est pareil. On est en train de changer l'approche. On utilise les mécanismes naturels pour pouvoir développer des activités économiques et de la production. C'est ça, l'avenir. Il ne s'agit pas de dire « je remets en cause tout ce qui a été fait par le passé ». Il s'agit de dire « comment je fais faire une mutation ». Et la Bretagne a des atouts, comme ailleurs d'ailleurs, mais la Bretagne a de vrais atouts. Oui, alors on va essayer d'abord de diminuer et de simplifier les choses. Ça a été fait avec la question des ICPE et sur les installations, en particulier pour les projets, on a diminué avec la procédure d'enregistrement les durées nécessaires pour constituer un projet. Et on fera pareil pour la méthanisation, avec des objectifs de simplification. Et ça, c'est très important. On n'a pas de raison de considérer qu'à partir du moment où toutes les règles sont respectées, qu'en France, on mette deux ans et demi pour faire un projet, quand ailleurs, on peut mettre 6 mois. Il n'y a aucune raison de faire ça. Aucune. On a au contraire besoin aujourd'hui, je le disais pour 2014, d'investir, de moderniser, d'assurer cette mutation économique et écologique. Donc il faut qu'on aille plus vite. Alors, comment on peut faire pour faciliter quelques petites démarches comme ça? Alors comment on peut faire? On peut d'abord avoir des dossiers uniques. Pas obligé d'avoir à chaque fois qu'on pose un projet, d'aller voir l'administration qui concerne l'agriculture, celle qui concerne l'environnement, celle qui doit concerner tel ou tel projet. Avoir un dossier unique qui est fait une fois et c'est aux administrations de vérifier que tout ça est conforme. Puis deuxièmement, c'est de dire que sur ces projets, les demandes qui sont faites une fois. On ne revient pas après en disant « tiens, au fait, on a oublié quelque chose ». Non, on fait une fois que les demandes et les questions sont posées, les réponses sont apportées et c'est la capacité qu'on a à mettre en œuvre le projet.